Si les ascensions des cols sont terribles, les descentes peuvent s'avérer périlleuses pour les coureurs. On peut perdre le tour ou gagner le tour dans une descente, donc bien sûr tout coureur a beaucoup d'appréhension avant. Et ça peut être un atout tactique que de pouvoir utiliser la descente pour mettre la pression. C'est même un stress parce qu'on faut être attentif, des fois on est à 80 à l'heure. Il y a une part d'inné, il y a des coureurs qui savent se relâcher et qui ont un petit peu l'instinct du descendeur. Faut vachement regarder loin en fait, faut pas avoir la tête dans le guidon. Pour anticiper le virage, faut voir à peu près comment si ça se referme ou si ça se referme pas. Et c'est vrai qu'après on prend les risques maximales. Plus on est crispé, plus on a le risque de tomber. Un coureur qui est sûr, qui a confiance en lui, confiance au matériel, bon, et qui maîtrise bien les trajectoires, et il descend, comme je disais, relâché, détendu, et à partir de là, le mental est là, il suit, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas d'appréhension. Après, il faut avoir les jambes dans la montée avant déjà.